Bon Dieu bénis nous, c'est un plaisir. Matin, on est capable de partager ensemble avec vous quelques portions d'écriture. On a bien pour nous parler sur cinq faits prophétiques qui a accompli dans l'heure que nous avons parlé la même et qui a annoncé l'avènement de Christ ou enlèvement de l'Église là. Et qui c'est une chose qui doit porter attention à chaque chrétien qui vit dans l'heure qu'il a vécu là. Je vais nous parler sur cinq signes qui marquent l'enlèvement de l'Église là. Matthieu chapitre 24, verset 5, il dit comme ça : car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, il est antéchrist. A bien plusieurs monde qui vini comme étant Christ qui identifié tête yo même c'est Jésus-Christ et lorsque nous on ça n'a connait que ça c'est un fait prophétique qui accompli qui pour annoncer nous que l'église lui-même lui pas loin pour capable en vie. Nous chercher cinq personnes pour n'a cité nos thérapeutes Henry Christo qui vit au Brésil, Alan John Miller qui vivent en Australie, William Soto Santiago, nous pas identifié exactement quand la vivre, certains disent Venezuela, certains disent c'est Puerto Rico. Et prophète Kakou Philippe qui vivent en Éthiopie. Tous les cinq personnes ça que maintenant là, nous capables de chercher on apprend que yo même yo déclaré à propre bouche par eux que c'est Jésus-Christ en personne. Deuxième fait prophétique bien pour accomplir qui pourrait déboucher sur enlèvement de l'église qui c'est la guerre. Nous connaissons que la guerre commence depuis longtemps, mais intensité guerre lui augmenté au 19e siècle, 20e siècle jusqu'à 21e siècle à l'heure actuelle. Nous connaissons que ça qui vient pour la guerre lui-même lui fait un pillage pendant période de temps. Ça que nous sommes parlé de l'IA dans le livre Matthieu chapitre 24 verset 6. Mais ça dit, vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Non seulement des guerres et des bruits de guerre. Et dans le livre Apocalypse, chapitre 6, verset 7 et 8, mais qui ça dit concernant le quatrième soir. Je regardais, voici par un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cap de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Par l'épée. Donc, il parle nous de la guerre. Nous reconnaissons que la guerre, c'est une affaire prophétique qui a accompli pour déboucher sur l'enlèvement de l'église. Nous essayons de citer quelques guerres qui passaient pendant le 21e siècle, sans que nous n'ayons pas besoin de parler de tout. Mais nous connaissons qu'il y a deux grandes guerres qui passaient. Deux grandes guerres qui passaient. Au 20e siècle, qui c'était la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. Nous reconnaissons que la seconde guerre mondiale a été fait tuer plus de 50 millions de personnes. Et sans compter l'autre guerre qui vient passer, la guerre des six jours, la guerre du Vietnam, la guerre des sécession, la guerre Corée du Nord et Corée du Sud, tout ça. Et qui quittait le monde là avec l'autre grande guerre. Côté que yon nan pays sa ou pa vle attaquer l'autre directement, mais yon utilise l'autre petit pays pour attaquer par rapport avec force puissance militaire qui est tellement élevée et force nucléaire ou tout qui très élevée tout permettre que yon pas confronter l'on a l'autre qui c'est la guerre froide entre États-Unis et la Russie. Troisième fait prophétique qu'a accompli à l'actuelle qui nous besoin surveiller, qui doit déboucher sur l'enlèvement de l'église, qui c'est épidémie. Tout le monde tendait parler d'épidémie. Donc épidémie, c'est un bagage qui fait un pile là, qui fait plusieurs millions de personnes mourir déjà. Mais pour faire 20e siècle là, à 21e siècle côté de vivre là, nous enregistrer plusieurs et plusieurs cas d'épidémie qui fait tuer plusieurs milliers de personnes. Yo expliqué en juin 1956, c'était une grippe asiatique qui fait tuer plus de 4 millions de personnes.
Yo parlé de 1968 jusqu'à 1970, yo parlé de la grippe de Hong Kong qui fait tuer 2 millions de personnes. Yo parlé de en 2014 de l'épidémie Ebola et qui était passé encore en 2010. En somme, qui fait tuer 31 300 personnes. Le 20 mai 1983, il a découvert le VIH-Sida et jusqu'à maintenant, qui continue à faire tuer des personnes. Il y a enregistré à l'heure actuelle de 30 millions de personnes qui virus a lui-même lui poté aller. Je dis m'a parlé avec nous là, connait la même en 2020 quand on a parlé là. Depuis en février, il a découvert coronavirus et jusqu'à non m'en a parlé là qui c'est moi d'avril et moi mars qui va découvrir mois d'avril. Donc yo guitan risqué 28 000 morts que coronavirus guitan fait et 600 000 de personnes qui étaient guitan infectées. Et le quatrième fait prophétique qui doit accompli avant que l'église a enlevé qui c'est le tremblement de terre. Matthieu chapitre 24 verset 7 il dit consacré il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc tremblement de terre c'est une affaire prophétique qui doit passer sous planète terre et qui continue à passer avec une fréquence très élevée pour aviser pour alerter chrétiens OK l'église a pas loin pour il y a le faire route. En 2014, il y a un tremblement de terre qui était passé avec une magnitude de 9.1 et qui était 227 000 morts. En 2005, à Indonésie, il a expliqué que il y a un tremblement de terre qui passait à 8.6 magnitude et qui était 900 morts. En 2010, en Haïti, il a expliqué que il y a un tremblement de terre qui est passé à 8.5 magnitude, que l'ONU présentait à 7 points magnitude, et qui était 300 000 morts qui étaient constatés par l'ONU. Donc, tremblement de terre, c'est un affaire prophétique. Songez que l'alerte que Jésus-Christ parle pour votre nom. Pour nous finir, qui c'est la famine? La famine, c'est une prophétie qui a accompli dans le 20e et 21e siècle qui annonce que l'Église a parlé enlevé. Selon ça, la parole de Dieu lui dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit comme ça que une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines. Donc, si nous avons cité quantité et pays qui a souffert avec gangou actuellement là, nous pas capable de citer. Mais si nous avons parlé de 1998 à 2004, il a expliqué 3.8 millions de personnes qui mouraient avec gangou au Congo. En 2011-2012, il a expliqué une famine qui très terrible qui est passée en Somalie et jusqu'à maintenant qui continue à faire autre lit. En 2016 à 2017, il a expliqué que une famine qui passait au Soudan du Sud en Afrique qui quittait 4.9 millions de personnes en nécessité de nourriture. Et selon l'ONU, en 2018, il y aurait marqué 820 millions de personnes dans tout le monde là qui souffrent avec gangou. Le 28 janvier 2020 qui s'est passé là, il a expliqué qu'il y a 4.6 millions de personnes en Haïti qui en nécessité de nourriture. Le 16 janvier 2020, l'ONU a enregistré 45 millions de personnes qui ont souffert à gangou en Afrique. C'est fait prophétie qui peut être découvert sous enlèvement de l'église. Nous t'ai expliqué qui c'est Antéchrist, nous expliquer la guerre, nous expliquer tremblement de terre, nous expliquer épidémie, nous expliquer la famine. Qu'aucun de ça on en tête pour comme méditer ça dans tête pour que tout ça ou après là, il peut être découvert sous 4e et 5e saut. Dans le commencement du 5e saut, la grande tribulation a commencé et l'église a gagné pour enlever à le faire retourner. Sous ce chrétien, sous ce qu'on vit mal, sous ce qu'on a mené en vie qui n'est pas normal, pas tant seulement que c'est enlèvement pour tant qu'il vous fait, parce que personne ne va connaître, peut-être qu'il prend du temps toujours, mais chaque jour que vous vivez, connaît que c'est dernier jour à vivre sous terre pour mener une vie qui propre, pour mener une vie qui sanctifiée. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Convertissez-vous, répentez-vous, marchez dans la sanctification.
espérance frère en Jésus-Christ pour nous dire j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Merci, c'était frère, merci de lui, enseignant de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse.